J'ai 59. Des deux têtes noires à choper, Wichita. I-22. Niche noire sur niche. 41 réserves. Cachées loin des autoroutes ou éventrées par elles. À l'hiver 2015, j'ai décidé d'aller voir. Avec l'intuition qu'à travers eux, je comprendrais mieux. Je comprendrais ce qui se passe derrière le paysage de notre modernité, derrière les pipelines qu'on veut greffer à ses veines, le pétrole qu'on s'injecte, et cette mémoire qu'on coupe à blanc. Comprendre aussi un peu mieux l'épuisement où m'ont plongé mes semaines de 80 heures. Cet esclavage moderne que je me suis moi-même imposé. Moi en tant que peuple, moi en tant qu'artiste, moi en tant qu'homme défriché, miné, vidé de ses réserves, en tant qu'homme colonisé. Toi, c'est peut-être que tu connais, tu sais, qu'il n'y a pas de qui a pour une quête. Mais je crois que quand tu te bats, tu couches peut-être tes bonnes et notre nom aussi. À pas où tu es chez nous, le Canada, plus meilleur pays au monde. C'est tellement grand qu'on peut cacher n'importe quoi derrière les arbres. Des camions gros comme des cauchemars passent et passent, sans rien voir, sans arrêter. Chargés de bois, d'épinettes, de minerais, le territoire se vide de ses réserves naturelles. Le décor de notre histoire reste debout. Petit chemin et tout. J't'ai ma wenni ma canou. Deux chemises de chasse, une par-dessus l'autre. Barbe blanche mal rasée. Il ouvre sa porte. Muet. Elle monte. Timide. La referme. 6 mois au plus, il conseillait aux femmes d'allaiter. 6 mois max. Même pas la durée d'un hiver. La durée d'une nuit.